Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Et donc, moi, il y a une autre méthode de l'agbantoué. Propriétaire de charge maléfique transporte ta charge. Propriétaire de charge maléfique. Le fardeau que tu as apprêté transporte ça. Mais là, certaines personnes. Bon, eux, ils font des charges maléfiques. Et dans la raison. Ils disent la maladie. Au cou. La mort. Célibat. Le célibat. Aho, la dette. À vie. Les pleurs. À idite, l'échec. Mouyan, la honte. Blan, blabi. Et ils vont faire le fardeau. Blan, zéro, tanoué. Et te le charger. Bon, programme là. Et ce programme, oui, c'est le tanoué, oh. S'ils t'ont déjà chargé ça, il y en a des tatoués de je vais l'enlever au nom de Jésus. Le thème sur lequel je travaille ce soir, que son fardeau retombe sur sa propre tête. Amen. Que son fardeau retombe sur sa propre tête. Dis à ton voisin que ce fardeau retombe sur sa propre tête. Non, viens tatouer dans la tête. Ce n'est pas sur ta tête, mon frère. Mais sa propre tête. Que son fardeau retombe sur sa propre tête. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler un peu des fardeaux. Beaucoup de gens vont aujourd'hui dans la souffrance. Tu verras certaines personnes. Elles auront des maris. Mais elles sont comme les célibataires. Tu es en train de mentir. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, quand on t'appelait, comme le portable n'était pas encore fréquent, et on dit allô, on dit allô, on monte sur le toit, le toit. On dit allô, on dit allô, m'entends-tu, m'entends-tu, c'est le réseau qui balance, tu ne vas pas chercher le réseau avant de le trouver aujourd'hui. Tu ne chercheras pas le réseau. Réseau qu'on doit pas toi. Le réseau est déjà auprès de toi. C'est moi que Dieu t'a envoyé. C'est moi ce que j'ai que Dieu t'a envoyé. Connexion à haut débit. La connexion à haut débit. Jésus, c'est comme au nom de Jésus, que cela soit ainsi pour toi. Écoute-moi, je parle. Il y a des personnes. Ben d'assi. Elles ont pris de femmes. Et sont comme des célibataires. Mais là, il y a des gens. Qui sont auprès du feu. Bon, et ont pourri. Mais là, certaines personnes. Mais d'accord. Ont de l'argent. Bon, et ils sont comme des pauvres. Qu'est-ce qui fait ça? Mais simplement. Qui fait ça? Big Bob Manuel, c'est un sorcier, mais ouais. C'est la mission des démons. Tu vas souffrir pour l'enfant, mais tu ne vas pas en jouir. Quand il n'avait rien, il est le bon papa. Quand il n'a rien, il va t'aimer tellement. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. I love you. I love you. Si tu meurs, je meurs. Tu es paralysé, je suis paralysé. Penché, penché. Tu es penché, je me penche aussi. Mais penché, penche pour voir si tu le verras. Parce que si
Ce n'est pas de la faute des hommes. Ce n'est pas de la faute des femmes non plus. C'est quelqu'un qui te fait porter cette charge. Depuis ta maison. Depuis ta maison. Depuis ton marché. C'est la jalousie qui amène la sorcellerie. Et tout cela a un fardeau sur l'homme. Tu verras certains qui marchent. Et il parle seul. Il parle seul. Parce que ordinateur. Cela dépasse l'ordinateur qui est le cerveau. Et il ne commande pas le sortir. Pourquoi? On les a tellement chargés qu'étant seuls, ils ont des soucis. Malgré cela, Dieu t'a donné un réseau, un wifi de 5G. Avant de te connecter à ce réseau-là, tu dois utiliser la foi. La foi que tu as. La connexion que tu as. C'est ainsi que tu auras son miracle. Il y a des gens dans vos maisons, sont vos amis qui sont près de vous, qui mangent avec vous, mais ils veulent votre échec. Quelqu'un n'aime pas son prochain. Le reste est de l'hypocrisie. Si tu as la force, garde toi-même. Quand que tu as la force, travaille. Travaille jusqu'à mourir dans le travail. C'est ton travail qui va te relever. Je vous dis la vérité. Il n'y a personne pour quelqu'un. Fais bien ton travail. Fais ton travail. Tu n'as pas d'excuses. Utilise ton corps jusqu'à mourir dans le travail. C'est ça seul qui pourra t'honorer. Le gozo sien, la carapace de la tortue, a gwisingo, la coquille de l'escargot. C'est ça le fardeau qu'on a fait porter à beaucoup d'entre nous. Une fois les souvitoué con, une fois que ton étoile brille, sa brillance, c'est ainsi que tu auras des ennemis. Chai. Depuis mon enfance, 11 mois de notre j'ai fait 11 mois dans le ventre de ma mère avant de sortir. François a refusé de sortir. Et ce n'était pas lui-même. On savait que quelque chose venait. Et on l'a chargé. J'ai tombé malade. L'ennemi va à la destination avant que nous y allons. Quelqu'un m'entend-il? Ce qu'on fera ce soir, ce qu'ils veulent pour nous, ce qu'ils veulent que nous soignions, les pleurs qu'ils veulent que nous aignions, et ils ont apprêté le pardon, on va leur retourner ça. Si l'ennemi te charge, tu vas transpirer, mais on ne va pas le sentir. Quand l'autre finit de construire sa maison, maintenant tu vas vouloir faire la fondation, quelqu'un va partir avec ton argent. Quand la personne a fini de coudre ton habit, elle a porté. Tu vas envoyer ça sur le tailleur, lui va fuir avec le pagne. Je vous dis la vérité. Ce que quelqu'un a déjà fini et se lave les mains parce qu'on t'a chargé, parce qu'on a déposé un lourd fardeau sur toi, c'est maintenant toi tu commences, mais cela ne marchera pas non plus. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui parce que rien ne marche. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Parce que ce qu'ils entreprennent ne marche pas. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Parce que quand ils investissent ça, cela ne sort pas l'argent. Ce programme va ôter ce fardeau de ta vie. J'enlève les fardeaux de célibat. Je l'enlève sur toi au nom de Jésus. Les fardeaux de tête, je les enlève. Salut ton voisin, dis-lui cela ne sera plus ainsi. Si on quitte ici aujourd'hui, cela ne sera plus ainsi. Quelqu'un me comprend.
Le fardeau qu'on t'a chargé est comme la carapace de la tortue. Le fardeau qu'on t'a chargé est comme la coquille de l'escargot. Si tu veux l'enlever, tu n'y arriveras pas. Seul Christ que tu as reçu peut te l'enlever. Tu as besoin de ta connexion d'abord. La main dont tu te connais à Christ fera que tu vas l'enlever. Beaucoup de gens partout où ils passent la souffrance. Tu as été partout, tu es venu ici, tu n'y pas d'ici aujourd'hui, tu auras le changement. Je vois 20 personnes que Dieu va délivrer aujourd'hui. Mais la vie. Ils sont venus dans les pleurs ici. Viens donc, voici, c'est toi, tu ne vas plus pleurer ici. La souffrance est accrue aujourd'hui. Il y a beaucoup de fous dans la ville. Vous pensez que tout c'est l'emboutement? Non. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tu prends un chemin qui ne marche pas. C'est deux choses qui peuvent t'arriver. Tu vas vouloir te pendre. Deuxième chose, tu deviendras fou. Tu vas tellement réfléchir et tu auras des troubles. Beaucoup de n'arrivent pas à dormir toute la nuit. Quand on a trop de problèmes, le sommeil fuit. Problème. Quand il y a trop de fardeau sur toi, tu n'arriveras plus à manger. Certains sont gourmands, quelle que soit la situation, ils mangent. Mon frère qui me suit, quel que soit le problème, quel que soit ce qui se passe, tu ne le verras jamais pleurer. Il dit non, rien ne se passe. Mais rien ne se passe. Dis à ton voisin, rien ne se passe. Ce problème n'existe même pas. Ce n'est pas un fardeau. Quand le problème devient un fardeau, c'est difficile de prier de s'en sortir. Ah oui, moi. C'est ainsi. Si cela devient un fardeau sur ta vie, ça te fera peur. Ça te dira, même si tu pries, cela ne quittera pas. Quelle montagne dépasse Dieu et il ne peut pas l'enlever? Je me souviens un jour, j'ai reçu un appel. On avait quitté la prière ici. La personne m'a envoyé un message audio. Et je l'ai ouvert. J'écoutais. Et il me parlait. Je suis descendu de la voiture. Pour rentrer la chambre, j'allais seulement. Je ne savais plus où j'allais. Je ne savais plus ce que j'avais. J'écoutais l'audio. Et ma papa dit, c'est quel appel que tu écoutes ainsi? Assieds-toi au moins d'abord. J'étais devenu comme bête. Il y a des nouvelles quand on les apprend. Mon frère Mohamed, c'est ainsi. Tu vas entendre des nouvelles. Certains vont dire, je viens, je vais aux toilettes d'abord. Cela t'est arrivé une fois. Je suis votre général dedans. Des fois, on entend, on a envie de jeter le portable. Pourquoi jeterai le portable? Et j'entends cela, Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Si tu as quelqu'un qui est raillé par le diable, il y a des bien-aimés du diable. Certains sont des bien-aimés du diable. Ne le savez-vous pas? Ceux-là, le diable ne les oppresse pas beaucoup. Tu marches dans leur vie. Ils ne sont même pas sur la voie de Dieu. Mais ils sont bien-aimés du diable. Mais il y a certains. Et ils sont des opposants pour le diable. Quand le diable prend un dossier, il lui accroche cela au cou. Quand il prend un, il lui accroche au cou. Même ce qui est le dossier de Desmond là-bas, on prend de là-bas, on me le remet.
Et sonne un fardeau sur nous. Beaucoup de femmes sont dans l'église. Et prient. Quelle prière la femme vient faire à l'église? Trois prières. Première prière de la femme. Mon mari. Deuxième prière. Mes enfants. Troisième prière. L'argent. L'argent. Voilà les trois prières de la femme à l'église. Personne ne peut dire le contraire. Mon mari, mon enfant, à quoi? L'argent. Mon mari, mes enfants, à quoi? L'argent. Jusqu'au jour où on va l'enterrer. C'est le jour où l'enterre qu'elle va se retourner de ça. Elles sont dans l'église. C'est pour cela qu'elles remplissent les églises. Mais elles n'ont pas de foi. Quand la situation arrive. Oh, yeah, okay. Hey. Papa, tu es faux. Tu es faux. Papa, c'est fini pour toi, c'est fini. Mais nous comptons, mais nous comptons d'ailleurs, mais d'ailleurs. Le premier qui l'appelle. Pasteur ton. Son pasteur. Papa, nous sommes. Papa, la maison est en feu. Dis-lui, il y a l'eau à côté, mets dedans. Sec, sec. Sans mélange. Que Dieu t'aide. Quand on parle de fardeau, la femme porte plus de fardeau que l'homme. L'homme, une bouteille de bière, lui ôte son fardeau déjà. Et voici quand ça finit, le fardeau revient. Le maïs est cher. Mais la bière, son prix n'a pas changé. Mais il y a beaucoup de gens. Donc, brique de poids, c'est 600. Une brique, c'est à 600. Allô? Quand est bière, mets-toi 600. Brique, on a bien, non, ça. Mais les hommes, quoi. 300. Bière, gros poids. 600. Il y a beaucoup de gens. Doto, il y a beaucoup de gens. Et leur bière, ils ont déjà tout bu. Ils ont bu toutes leurs briques. Ils ont bu toutes leurs maisons. Et ont déjà abandonné. Le reste. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Fiaze, 300. Là où tu prends 300. Et tu achètes une brique. Sinon, ils vont prendre l'autre bouteille de liquide de 600. Ils boivent, ils déposent la bouteille. La brique diminue. Encore. Son salon diminue. La chambre à coucher diminue. La cuisine de la femme diminue. À l'âge de 70 ans ou bien 65 ans. À l'âge de 65 ans ou 70 ans. Et dans le village. Il retourne au village. J'irai dans ma famille au village. C'est ce que les femmes disent. Je ne vais pas te suivre là-bas. Parce que tu es tout. Pourquoi? Écoutez bien. On a l'habitude de l'ignorer, mais non. La femme a l'habitude, elle reste dans le bien. Eh, maman, moi, non. C'est ce que j'ai dit. C'est là où il y a l'humidité que l'escargot reste. Quand la pluie tombe bien. Quand l'argent de la chambre et la musique tourne, c'est ainsi que les fesses de la femme disent. Les pelles font leur bruit. Parce qu'il y a l'argent dans la chambre. Quand la pluie s'arrête, tu vas attendre, tu ne vaux rien là. Parle, c'est l'oreille qui écoute. Je ne parle pas de toi, ton affaire. Mais mon quoi? Quand vous trouvez l'argent, réalisez des choses. Ne permettez pas d'être un fardeau pour la femme demain. Quand tu seras paralysé dans la chambre, elle va dire je viens et elle ira se prostituer et revient. Tu ne vas pas aimer l'entendre, mais je vais le dire.
Quand tu es sur pied, tu as la force. Ne te fais pas certains amis. Travaille. Teste l'argent, réalise. Comme je suis ici, je suis un homme vaillant. Le jour où tu es paralysé, ou bien tu as l'hémiplégie. Et tu marches ainsi. Tout ce qui est sur toi est paralysé. Ton fait est paralysé. Ta pensée est paralysée. Le désir est paralysé. C'est à ce temps la femme tourne encore. Elle s'arrange. Elle s'arrange. Papa, je vais acheter là-bas. Je vais à Tokpa. Je vais chez mon oncle. Chez mon grand frère. C'est ça y est. Je vous dis la vérité ici. Celui qui est parlé devient un fardeau. Aucune femme n'aime rester dans les fardeaux. Quand tu as trop de fardeaux, elle t'abandonne. La pauvreté et l'amour ne se font pas amis. Les deux ne vont pas ensemble. Même si tu as trop de pauvreté, tu tiens la Bible, la femme ne va pas t'aimer. Quelle femme peut lever le doigt disant moi je veux demeurer dans la pauvreté dans ce monde-ci? Leurs chaussures, c'est l'argent. Leur slip, l'argent. Leur habit, l'argent. Leur soutien, l'argent. Leurs cheveux, l'argent. Leurs sourcils, l'argent. Les cils, l'argent. Ça y est. Je viens, ne crains pas. Ce que tu veux, tu l'auras aujourd'hui. Sois à l'aise. Je vais sortir un peu pour être à l'aise. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup d'hommes qui constituent un fardeau pour leurs femmes. Le jour où tu commences par tendre la main à la femme, donne, je vais manger. Tu deviens son esclave. Si elle fait d'erreur, tu ne peux pas le dire. C'est elle qui pourvoit. Si la femme, elle voit qu'il est toi, ton portable est dans sa main et elle fouille comme elle veut. Elle fouille ta poche. C'est elle qui va te dire, couche-toi là. Tu n'as rien fait, c'est moi qui ai travaillé, je vais dormir. Hein? L'homme qui ne fait rien, l'homme qui ne se gêne pas, Jésus a dit, son père est toujours debout du matin au soir. Vous ne verrez jamais un riche qui fait beaucoup d'enfants. Il n'est pas dans cette pensée. Même quand l'argent vient beaucoup là, on a la faiblesse sexuelle. Tu n'auras pas ces idées. Tu mets un lacique, tu déposes. Mais celui qui n'en a pas, qu'elle voit ça, ça a quitté où? Nigeria, est-ce du Nigeria où? Go, le fit aussi. Cette go vient d'où? Bon, bah quoi? Arrête et jette l'argent. Maman, so, anayang, banu merivo. Sinon, demain, tu vas constituer un fardeau pour quelqu'un. Et dans ce, oui. On va te prendre. Dans ce, on va te déposer. Oui. Ce qui fait plus pitié que ça, il n'y a pas. Oui. Pour manger, on doit te servir. Mais celui qui va te servir, oui, ma drou, oui, ouais, nana, oui. C'est ce que tu n'aimes pas, tu n'as pas envie, c'est ça, il te sert. Que Dieu nous sauve. Tu portes ta main droite sur la tête. Je ne serai pas un fardeau pour quelqu'un. Au nom de Jésus, je serai autonome. Tout fardeau qu'on va me poser sur ma tête, pour que je sois un fardeau, je le retourne sur leur propre tête. Au nom de Jésus, prie ici au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas permettre que tu sois un fardeau pour quelqu'un. Certains, dans certaines maisons, quand l'enfant naît, pour le présenter, on le charge déjà. Ne savez-vous pas? Ton problème comment le jour où tu viens au monde et tu pousses le premier cri? Ce sera bien belle, mais tu n'auras pas trouvé un bon mari. Tu vas travailler, mais on ne va pas te payer. Je connais monsieur quand il travaille, on ne lui paie pas son salaire. Il est artisan. Il a travaillé des années durant. Il ne perçoit jamais de l'argent. On a écrit sur lui qu'il va demeurer pauvre. Qu'il a fait sa propre maison. Beaucoup de nos problèmes, c'est ceux qui nous haïssent dans nos maisons. La prière d'aujourd'hui fera ton retomber le fardeau sur leur propre tête. Écoute bien. Il y a quelqu'un tant qu'il ne meurt pas, tu ne peux pas être riche. Il y a quelqu'un tant qu'il ne meurt pas, tu ne peux pas avoir une femme. Il y a quelqu'un tant qu'il ne meurt pas, tu n'auras pas la paix dans ton foyer. Il y a quelqu'un tant qu'il ne meurt pas. Tu auras ton papa, mais tu n'auras jamais un visa. Il y a quelqu'un tant qu'il ne meurt, tu ne peux pas prospérer. Comment peux-tu faire alors? Cela, le fardeau de moi qui t'a chargé, tu vas le retourner sur lui pour être en paix. Quand on le retourne le fardeau, quand on le tue, tu auras le repos pour avancer. Pendant l'élévation, comment le moment où un méchant quitte devant tout ton chemin? Me suivez-vous? Me comprends-tu? T'es bien commence. La place que j'occupe maintenant. Telle que je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a quitté là et j'ai pu accéder à cette place. Quelque part pour être à l'aide, tu dois enlever quelqu'un d'abord pour occuper la place. Il y a beaucoup de démons qui te parlent la route. Et jamais tu ne pourras pas recevoir. Écoutez-moi. Vois le ciel, la terre, l'air, le feu, l'eau, combien de choses? Le ciel, la terre, le vent, le feu, l'eau, cinq choses. C'est cinq choses. C'est cinq choses. Cinq besoins fondamentaux. Les cinq besoins fondamentaux. Se nourrir, se vertir. Se loger, hein? Se soigner, se soigner, hein? S'instruire. Et bien, Abi, cinq besoins. Nous pétons mon besoin à ton et l'aigle béton. Quand l'homme a ses cinq besoins, il devient autonome. Allô, moi, mais de bouder le besoin à ton et l'aigle. Quiconque a ses cinq besoins, et béton. Il est un homme. L'enfant qui naît sur la terre. Et il a du bon. Il voit le feu. Il voit le ciel. Il voit la terre. Nous qui sommes ici, nous n'avons vu ça. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas réussir. Dieu t'a pris. Et t'a mis dans le jardin d'Eden. Il t'a mis sur la terre. Pourquoi tu domines? Et il a mis tout cela autour de toi. Pour te montrer que tant que tu es sur la tête, tu dois réussir. Tu as ces cinq choses dans tes mains. À des moments donnés, appelle le feu pour travailler pour toi. À des moments, quand le feu est là, prends l'eau pour l'éteindre. Regarde en haut, parle à Dieu pour qu'il agisse. Parle à la terre pour qu'il t'obéisse. On a mis tout ça dans tes mains. Si tu croises les bras, tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas et ta vie sera ainsi détruite. Je vous dis la vérité. Celui qui veut ton malheur, il ne dit pas à toi là, si tu me mets en colère trop. Il y a des gens qui te poursuivent sans relâche. Fais-lui face. Et tue-le pour avoir la paix. Ce qui doit tuer, tu as tout. Tu as l'eau. Tu as le feu. Tu as le ciel. Tu as la terre. Tu as le vent. Et tu as le vent aussi. Tu as le feu, tu as le vent. Utilise tout ce qui t'entoure pour eux.
pour te reposer. Avant que l'homme soit à l'aise, pour que le fardeau lui soit ôté, il doit être prêt à enlever certains fardeaux de lui-même. Il y a beaucoup de gens qui sont oppressés au milieu de nous. Ils se couchent la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Ils comptent l'argent qu'ils déposent, cela diminue. Maladie. Et un oncle. Fofode. Un grand frère. A ta vidéo le pueblo. Un oncle vient le dire. Viens ton aide dans ton tas. Tant que je vis, ces enfants ne vont pas émerger. Moi ma toi, gossi mais. Si tu ne sais pas, c'est à part. Mais nous toi. Mais quand tu le sais. Vous soupez coin. Fais lui face. Il a tchon. Appelle le vent. Et mon marché à il a mis. Si ça ne marche pas, appelle le feu. Non, il a mis. Et mon marché à il a signe. Si le feu ne marche pas, appelle l'eau. Non, ma il a mis. Et mon marché à il a signe. Ça ne marche pas, appelle le ciel. Non, il a dit quoi? Ça ne marche pas, appelle la terre. Pour ceux qui t'entourent travailleront pour toi. Beaucoup de gens ont arraché leurs biens. Avant que quelqu'un te fasse un don, qu'on te fasse un don, c'est plus spirituel que physique. Des gens, avant qu'ils ne te fassent un don, si Dieu ne le touche pas, il ne le fera pas. Il y a des gens. Et en bleu, un mois. Ils feront un mois. Maintenant, personne ne leur donne rien. Et en bleu, deux mois. Maintenant, ils feront deux mois, on ne leur donne rien. Spirituellement, on est dit. Quelque chose se passe spirituellement. Parce que c'est tout. Pourquoi? Et donc, moi, dit, moi, non. On les a chargés qu'ils vont demeurer ici. Donc, bah, dit, non, moi, je déclare toute ta vie, tu ne vas jamais demeurer ici. Tu ne vas pas demeurer ici. Tes billets viendront frapper à la porte et rentreront dans ta chambre. Réponds amen, tu reçois. Quiconque c'est son travail dans le règne spirituel. Dans le ministère. Quand tu pries pour eux, ils sont bien, ils sont bons. Tu pries pour lui, il émerge maintenant là. Il se met contre toi. C'est plus spirituel que physique. Il y a un fardeau qu'on pose sur les gens. Il y a des gens. Tu ne lui feras rien. Et quand il te voit, il te fait du bien. Ai-je menti? Ce n'est pas de ta beauté qu'il s'agit. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans tes pas d'ici aujourd'hui. Quiconque est derrière toi, lui, le fardeau qu'il a apprêté retombe sur sa propre tête aujourd'hui. Le fardeau qu'il a apprêté, il va prendre ses mains. La fond de bois qu'il a creusé, il y tombera. Esther chapitre 9. Ouvrez Esther 9, verset 25. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, Esther waise et de wa roi sinouko. Le roi ordonnant pas écrit. De faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs. Et de le pendre au bois, lui et ses fils. Amen. Amen. Mais Esther s'étant présentée devant le roi. Le roi ordonnant pas écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs. Et de le pendre au bois, lui et ses fils. Somme 7, verset 16. Il ouvre une fosse. Et non, donné. Il la creuse. Et nos couilles gandhi. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Aide sous nos noms les dieux. Doé et cou en main. Lève-toi. Il ouvre une fosse. Et nos couilles. Il la creuse. Et nos couilles gandhi. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Aide sous nos noms les dieux. Doé aide sous cou en main. Amen. Amen. Nous nous comptons Micha. La première lecture. On nous a parlé de quelqu'un. On nous a parlé de Haman.
Il voulait tuer quelqu'un. Mais Ejahu. Il voulait tuer qui? Ejahu Mao Vile. Les enfants de Dieu. Ebara ni non paya. Il ne voulait pas qu'ils vivent. Ebara Jule bini, Jufule bini kou. Il voulait que tous les Juifs soient tués. Tito tonne. C'était son plan. Agmatonne. C'était son fardeau. Personne. Et il a préparé. Bonnet. Comment? Ebara Tinopo. Il a pris un bois. Ben Amka Eko Inji. Et il a taillé pour qu'on puisse les pendre dessus. Et il savait que son projet allait aboutir. À moi, il a bien taillé le bois. Quand il taillait le bois, il savait qu'il le sera lui-même la proie, il ne savait pas. Il y a un piquet, quelqu'un lit quelque part. Que tu n'enfanteras pas. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas prospérer. Piquet qu'il prépare, il le fait disant que c'est pour toi, mais cela m'a. Je raconte ta propre vie. Tu vas prier bientôt. Quand tu vas prier bientôt, il va tomber sur son propre bois. Et il creuse une fosse. Il creuse sa fosse. Il a bien ouvert. Mais il tombe dans ta propre fosse. Dis à ton voisin. Il y a une fosse dans ta maison au village. Qui a une fosse de pleurs. Une fosse de dette. Une fosse de maladie. Quand nous allons prier aujourd'hui, il va tomber dans sa fosse. Levez-vous, nous allons prier. Moment intense de prière. Condition de si la condition dans laquelle tu es de siège, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Quiconque a creusé une fosse et le prépare pour moi, je n'y tomberai pas. Qu'il y tombe lui-même. Mets-le dedans. Makabrakaya baya. Lekete bro shapraya Lusakata kete bro Maya bro katonga lekete bro kata Libro shapraya mon père oh touche je prie ce soir toute personne tout méchant qui a creusé une fosse pour moi maintenant la main de Dieu pousse le dedans personne qui a creusé une fosse de mort, une fosse de honte, une fosse d'endettement, une fosse de chair, une fosse de pleurs. Je commence ce soir la puissance de Dieu. Mets-le dedans.
fosse. Rentre dans ta 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 fosse. Au nom de Jésus. La force de maladie. Rentre dedans. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Lève tes mains et réponds Amen. Prie sérieusement. Tu vas dire maintenant. Tout bois déjà taillé. Et on veut l'enfoncer pour moi. Pour mon foyer. Pour la souffrance. On va l'enfoncer. Pour mon échec. Aujourd'hui. Que la personne avance le piquet contre lui-même. Ferme tes yeux, battez mes prix ici. Le barakata proche. Le koto rababash. Le barakata kata. Marikete bosha. Zako kolekete. La barababash. Ma po paya paya. Marikete kete. Bosha. Ma shabara. Ma ko pakata brekata. Lendere bosha. Likete brakata ya. Ma shabara. Zango likete bro. La brekete rebosha. Ma ko paya paya. Marabash. Le barakata kata. Le barababash. Ma kapa brakaya. Shabara. Le barakata brekoto. Zukoto regete kete. Lendere Bakata brekete, ma pora paya paya, regete kata kata kata. Je commande au nom de Jésus. Toute personne qui a taillé une pierre, qui veut enfoncer une pierre pour moi, la main de Dieu, la main de Dieu. Je prie ce soir. Retois l'envoyeur. 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 Maintenant. Maintenant. Tout piqué. Tout piqué. Pour quelqu'un veut enfoncer. Sur mon nom. Je prie. Je le mets sous la pierre. Je le mets sous la pierre. Je le mets sous la pierre. Je le mets dedans. 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 Tout méchant qui veut enfoncer une pierre contre ma vie, contre mon foyer, maintenant, je mets son nom dedans. Je mets sa vie dedans. Je mets sa vie dedans. Je mets sa vie dedans. J'enfonce la pierre sur lui. J'enfonce la pierre sur lui. Ça retombe sur sa tête. Ça retombe sur sa tête. Ça retombe sur sa tête. Maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Docteur Gandhi. Écoute bien. Il y a deux frères qui discutent une parcelle. Ils discutent une parcelle. L'aîné a été chercher un féticheur. Pourquoi on avance le piquet pour son frère qu'il meurt? Et il a été prendre le féticheur depuis Adja. Et ils ont acheté tous les ingrédients. Et il a remarqué. Vespa sur une Vespa. Arrêté à Godomé. Devant la mosquée. Ils ont fait un accident. Le féticheur, la voiture a écrasé son pied. A écrasé les deux pieds. Et les ingrédients coquent piqué tout est parti. Le féticheur pleurait. C'est toi qui as voulu que je tue quelqu'un pour toi. Hein? Voici ma vie maintenant sur goudron. Tu vas prier. Tout ce qui veut me tuer. Et va prendre un goudron. Puissant de Dieu. Qu'il meurt en chemin. Et yade. Personne qui désire ma mort. Tout ce qui veut me tuer. Et qui marche sur la terre. Je commande. La terre. La terre. La terre. Engloutis-le. Prends-le. 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 Je commande la terre. Je commande au goudron. Je commande au pavé. Tout méchant, tout sorcier, qui veut me tuer, qui a mon projet de mort, je commande
Prends-le. Je commande la circulation. Camion, écrase-le. Moto, écrase-le. Voiture, écrase-le. Partout il va passer. Dans un champ. Dans la brousse. Que la boue tombe sur lui. La boue tombe sur lui. Sur le goudron. Que le camion le crame. Que le camion le crame. Dans une brousse. Qu'il prenne une balle perdue. Jésus-Christ ou Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Dans le temps de prier, on prie. C'est toi ou c'est la prière? Parce que tu pourquoi? Avant de retourner le fardeau, propriétaire, c'est la prière. Tu as besoin de l'onction aussi. Ça va t'aider à ôter le fardeau. Il y a une faute dans ta maison, les gens ils tombent et meurent. Toi, tu ne mourras pas de cette manière. Amen. Tu vas prier maintenant. Tout force de mort ouvert dans la maison. Force de mort ouvert dans ma famille. Celui qui l'a creusé, je le mets dedans. Je commande ce soir tout un force de mort, tout un force de mort qui est ouvert dans la famille. Je ne vais pas entrer. Je ne vais pas entrer. Celui qui l'a creusé, le propriétaire de la fosse, je le mets dedans. 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 Celui qui a creusé la fosse, rentre dedans. 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 La force de mort que le sorcier a creusé au nom de Jésus, je le pousse dedans. 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 La force de mort qu'ils ont creusé dans la maison et ils veulent m'enterrer dedans. Je refuse. Je refuse. Je refais, je la poule dedans. Tu vas prier. Quiconque on a fixé sa date de mort dans cette année. Celui à qui on a fixé ta date de mort dans cette année. Celui qui a fixé la date. Quand je mourrai cette année. Au nom de Jésus. C'est lui qui mourra à la place. Je ne mourrai pas. 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 Tout à mon programmé. Tout à mon programmé pour moi. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Quiconque veut ma mort. Quiconque a planifié ma mort. Quiconque projette ma mort. Qu'il meure. 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 Tout à mon programmé. En cette année contre ma vie, contre mes enfants, contre mon foyer, je commence. S'arrêtons sur lui. Tu vas encore prier. Et relâche la grâce sur toi. Beaucoup sont dans la peau de mort, pas les sortir. Tu vas prier d'abord ici. Avant que la personne de Dieu ne soit répandue partout. Écoutez-moi. Si tu ne pries pas, tu ne verras personne demain pour te prier. Quand on parle de mort, tu ne sais pas ce qui arrivera dans la minute à suivre. Tu dois prier.
Et retourner le fardeau propriétaire. Si tu croises les bras, c'est quand tu l'acceptes. Je n'accepte pas mon foyer non plus. Mon peuple non plus. Si tu es là, je ne sais pas. Tu vas prier maintenant. Quiconque qui a fixé une date, qui a donné une heure, qui a pris un piquet, et l'a enfoncé, et l'a appelé mon nom, et l'autre de ma femme, de mes enfants, de mes fidèles, que le piquet tombe sur lui-même. Prie. Programmer la mort. Qui a préparé une mort. Qui a prêté la mort. Pour ma vie. Pour mes enfants. Pour mon époux. Je prie ce soir. S'arrêtons-moi sur lui. 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 Quiconque a préparé un piquet. Contre ma personne. Contre mes enfants. Contre mon foyer. Je prie ce soir. S'arrête en masse-le. Tout est mon programmé. Tout est mon programmé. Je prie ce soir. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je ne mourrai pas. Lève tes mains. Il y a 25 personnes ici maintenant. Et l'esprit de mort est sur leur vie. Dieu dit qu'ils seront délivrés ces 25 personnes. La force préparée pour eux, quelqu'un d'autre va y entrer à leur place. La mort ne va pas rater sa cible. Celui qui l'a envoyé, cela retourne contre lui. Jordan, esprit de mort dans le peuple. Qu'on envoie à cet homme, cette femme. Jordan. Esprit de mort, c'est à toi, je parle. Mais ça est toi. Celui qui t'a envoyé. Vite, il y a Mississauga, mais reçoit l'onction qui te donne la personne même y entre. Elle est nous content. La première personne. Elle voilà. Sentinelle, 25 personnes. 25 personnes. La brokaya machikata. Elle est nous content. La première personne. Oui, bon, coûte notre go même. L'esprit de mort dans le peuple sort. Go! Ça, go, 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 ça, où dépêche Jordan, donc nous quand Jésus tombe, au nom de Jésus, et bien prêtons quoi 20 personnes, et bien prêtons quoi 20 personnes, des droits. Et on a fixé une date. Et on appelle la cérémonie dans le couvent des sorciers. C'est-à-dire qu'ils mourront. J'entends qu'ils ne mourront pas. Mais attendez qu'on coule. Ces personnes qui sont déjà mortes. Et leur corps est là physiquement. C'est leur corps qui se déplace. Que la vie rentre en eux au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu et quitte la porte de la mort. Voilà, reçois la puissance de Dieu. Voilà, esprit de mort libère. Laisse-les.
toi qui m'en dans le sommeil. Oh, ma autoya, ni de ça, de Dieu t'enlève de ses mains. Ni quoi ça, quoi ça, quoi ça, de ses mains. Quoi ça, qui t'aime, qui t'aime. Mais on nous n'aime pas. Ceux qui m'en dans le sommeil. Et y a quoi ça, ton bleu. Qui t'aime rapidement. Quoi ça, ton bleu, Jésus, c'est comme. Qui t'aime au nom de Jésus. Quoi ça, ton bleu, Jésus, c'est comme. Qui t'aime au nom de Jésus. Voilà. Toi qui as mangé quelque chose dans le sommeil. Ben nous sommes au coup, bien quoi. Et l'esprit de mort t'a possédé. Quoi de vous déjà à ton coin, pardon. L'argent qui vient de ta main se disperse. On dépêche. Jordan. Et même peut-être t'es oui. Cette personne. On dépêche. Anikosa, la tombe de Jésus. Jordan, sors de là, mais au nom de Jésus. Ton sang à ton main. Sors de ses mains. Ouais, mais des écoutes, c'est que tu as dit toi. Toi, qu'on a mis l'esprit de mort sur ta vie. Alors, il y a quoi de bon que tu as dit? Quand tu vas chercher l'argent, tu ne le trouves pas. Ah, il y a quoi de bon que tu as dit? Quand tu vas tout pour prendre l'argent, tu ne le trouves jamais. Ah, quand on est au caca, il y a. Tu cours en vain. On est bébé. Jordan aujourd'hui. Tu as mis ça à toi, tu es ton éditeur. Dans l'onction de mon père qui repose sur moi. Zato, c'est à Gaganji. Lève haut tes mains. Zato, c'est à Gaganji. Lève haut tes mains. Mais on nous compte ma pomme. Femme tes, je ne me regarde pas. Coussin que tu as dit, des essais. L'esprit de mort qui t'a été envoyé. À Jokpan, toi, mais. Dans ton commerce. Nicosi. Ça quitte. Ene. Voilà. 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 Voilà. Misewa. Misewa. Amenez-le. Va voir. Ça y est. Regardez ça. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Saint-Esprit. Touche-le. 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 Prends-le. 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 Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Circule. 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 Touche-le. 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 Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, maintenant, 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 esprit de mort, esprit de mort. L'esprit de Dieu, il est parmi nous. Il libère. Esprit de mort, sort. Go. Sort. Ton sien dit. Sort. Ton sien dit. Sort. Cousin Bigwa debout. Tout esprit de mort. Go, go, sors, sors, esprit de mort. Go, sors, esprit de mort. Yimmy Avaton, Yimmy Avaton. Professeur. Go, toi c'est ton roi même. Sors du peuple. Toi c'est ton roi même. Sors du peuple, esprit de mort. Go, sors. Où est-ce Jordan. Zababa, go. Sors. Go, sors. Go, sors. Go, sors. Go, sors. Sors. Go, sors. Go, go, go. Sors. On dépend, nous quand Jésus t'emmène. Jordan au nom de Jésus. Laisse le peuple rapidement. On dépend, couche Jordan, Jordan, esprit de mort. Go. Sors. Zato Saga. Lève tes mains. Go, pibon, couton. Esprit de mort, sors. On dépend. Jordan. Elle. Voilà. Ene. Voilà. Ene. Voilà. Voilà. Ene. Voilà. On est prêt, nous quand Jésus tombe. Jordan au nom de Jésus. Jodo. Laisse-le. Jodo. Laisse-le. Possible, bon. Esprit de mort. Un, deux, go. Sors.
Go. Sors. Regardez ça. Regardez ça. Go. Sors. 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 Un, deux, trois. Deux, trois. Power. Power. Rendez-vous. Toute puissance. D'un coup, c'est plus content. Qui a la puissance de l'esprit de mort? Qui œuvre au milieu de vous? Jordan. Qu'il vous libère. Il vous libère. Il te libère. Un, deux, trois, go. Sors. Go. Sors. 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 Go. Sors. Go. Esprit de mort, sort. Go. Sort. Go. Sort. Go. Go. Sort. Sort. Go. Go. Sort. Démon de mort, sort. Go. Sort. On ne peut nous quitter tout le temps. Jordan au nom de Jésus. Ene, et d'abord. Au revoir. Ene, et d'abord. Au revoir. Ene, et d'abord. Au revoir. C'est à toi, Saga. Lève tes mains. Yes, tout tombe qu'on a creusé pour quelqu'un ici. Et la personne dans le sommeil voit les cercueils. Puissant de Dieu. Voilà ça. Go, cou. Sors. Go, cou. Mort, sors. Go. Mort, sors. Go. 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 Sors. La date de mort qui est fixée. Mais sois-en. Nous l'annulons. 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 Zatoua dogome. Pose tes mains sur le ventre. Free. Libre. Go. Sors. Go. Sors. Go. Sors. Zatoua daga. Lève tes mains. Mère boule le fils. Quiconque est ici. Mais toi, Zantani. Et on a mis les rameaux sur sa tête. Donc, puis quoi, mais toi. Spirituellement, il n'en a pas conscience. Mais attendez là le homme. Il y a trois personnes ici. Mais toi, Zantani. Et on a mis le rameau sur leur tête. On est Jordan au nom de Jésus. Azani, quoi, si t'as attendu. Que le rameau quitte sa tête maintenant. Oh, ma auto, fita, mais on est le homme. De Dieu, où est la personne? Il me attend. Trois personnes. J'enlève ces rameaux de ta tête. Voilà. 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 J'enlève les rameaux. Je les enlève. Je l'enlève. J'enlève le rameau. Je l'enlève. 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 L'étoile qu'ils ont refusé que cela ne brille dans la famille. Tu vas te marier, tu ne jouis pas de ton mari. En voyage, tu n'arrives pas à voyager. Jordan. Dans son vieux nicole, Jésus. Que l'étoile brille au nom de Jésus. Son vieux nicole, Jésus. L'étoile brille au nom de Jésus. Ça, tu l'as. Lève tes mains. Oui, quoi, Saint-Esprit. Mais des blas. Ce qu'on a lié. Ouais, c'est pas dit. Dans un couvent de sorcellerie. Et on compte déjà les jours. Qu'ils soient tous libérés maintenant. Sors de ces lieux au nom de Jésus. Sors de ces lieux au nom de Jésus. Les utérus qu'on a mis la mort dedans. Toi qui désires d'enfant, pose tes mains sur le ventre. Je vais relâcher cette grâce sur toi. Jordan au nom de Jésus. Les utérus volés où on a mis la mort. Un. Deux. Deux. Trois. Trois. Reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Voilà. 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 Misez-moi. Amenez-les. 1, 2, 3. Reçois tes jumeaux. On dépêche.
Jordan. Si on dit que tu ne m'as jamais fait des jumeaux, 1, 2, 3, allez-y, reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Tout fibrome dans ton ventre. Tout myome dans ton ventre. Tout kyste dans ton ventre. Qui bloque l'enfantement. La main de ton ventre maintenant. Beaucoup auront leurs menstrues maintenant. Et tes menstrues maintenant. Fibrome sort. Fibrome sort. Fibrome sort. Fibrome sort. Fibrome sort. Fibrome sort. Regardez ça. Regardez ça. Hello, titon. Ça sort. 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 A dit qu'on est fini. L'utérus volé. Bosé ça une bédo sous quand t'as fini. Qu'on a jeté sur un tas d'ordures. Où des bébés y a dit qu'on te bosé. Je te récupère ça au nom de Jésus. Y a dit qu'on te bosé. Récupère ton utérus et tes jumeaux. Reçois ton utérus et tes jumeaux. Alors, ma tombe l'opération. La main de Dieu, ton père, maintenant. J'enlève les fibromes. J'enlève les fibromes. J'enlève les myomes. J'enlève les myomes. Reçois ton enfant. Reçois. 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 Bon, dimanche, il y a des cours de filles. Et viendront témoins le dimanche. Je suis amen, parmi les 15. 14, je vous laisse les 14 restants. Mais le 14, là, mais. Qui est parmi les 14? Où est-ce que tu es? 1, 2, 3. Reçois. 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 Amen. Reçois. Reçois. Hey, puissant, puissant. Et est-ce que reçois. Reçois. Amen. Noir 14 la main. Si tu es parmi les 14. Où est-ce que tu as mis ça ton jet? Reçois, reçois, reçois. Tout fardeau maladie qu'on t'a fait porter. Où est-ce que la bande quoi si tu es dit? Que le pardon soit au tien maintenant. Prends l'autre essai domine, prends l'autre essai domine. Prends l'autre essai domine. Dangereux de Yadjedi. Quelque chose de dangereux va se passer maintenant. Rakaba Shakatabo. Le Ketebo. Alors, demain, on est quoi? Les mecs qui ne gardent jamais l'argent. On est petit. J'ordonne maintenant. Admississa. L'auction. Tâche ton dedans, tâche. De mon père qui est sur moi. Oh, oh, maoutena bien l'autre. La personne de Kanata, mais maintenant. Un. Attends, Nara. Je vais compter à trois. Tu vas sentir présence maoutena. Tu vas sentir la présence dans ta main. Un. Un. La Brakayabase. Deux. Deux. Et trois. Allez. Trois. Voilà. Voilà. Et 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 voilà. Alors, des blalais. Les mêlés. Bref, quoi, un million. Ils ne porteront pas des millions. Et quoi, qu'on voit, écoute ça, radio. Ils l'ont gardé, mais ils n'ont pas gardé ça maintenant. Mais ouais, de bon. Qui l'a dit? Alors, toi, ça, Domino a dit, nous, quand tu es. Mais moi, si tu crois. Où est-ce Jordan. Bref, où est-ce que tu es à 100 ans? Tu vas compter de 1 à 3. Bref, commander à Missa, les titres. Et commander l'onction qui est sur moi. Bref, bien, alors, pour pas tout, mais. Rentre dans ta pomme de main. 1. 1. Zabrakata. Alors, il y a un peu de segment. Certaines, mais seront très lourdes. 1. 1, 2, 2, 3, 3, recevez, les liens qui te tiennent sont brisés. Les liens sont brisés. Amen. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus.
moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV, soyez connectés. Noi ade ogu Sofia. Ngo si se de gbesi kan me don. Ah nous modon we vivin mi rogba dan din taun. Quand l'homme de Dieu m'a localisé, cela m'a beaucoup réjoui. Cela m'a beaucoup rejoué. Je rends grâce à l'Éternel Dieu vivant qui est ici. Parce que quand je suis venu, je me suis assis derrière. Et le Saint-Esprit a envoyé quelqu'un de me déplacer. Et quand on m'a changé la place, l'homme de Dieu m'a localisé. Cela m'a beaucoup rejoué, je rends grâce à Dieu à nouveau. Et je lance un appel à ceux qui viennent ici d'avoir le courage et la foi de venir. Parce que le Dieu vivant est ici et il opère des miracles. Moi, on m'appelle Amouzou Karine, je viens de Kokokodji. Aujourd'hui, quand je suis venu, le Saint-Esprit a inspiré l'homme de Dieu et il est venu me prophétiser tout ce qui représentait le souci de ma vie. Avant que je ne commence ici, j'ai été invité et j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit d'utiliser le serviteur de Dieu pour me révéler les choses cachées, ce qui me donne des soucis depuis des mois durant. Et aujourd'hui, la puissance de Dieu s'est vraiment manifestée et je suis vraiment contente. Tout ce que moi j'ai à leur dire, c'est de croire et d'avoir la foi en Dieu, et ils vont gagner avec Dieu, parce qu'avec Dieu, c'est la foi qui gagne. On m'appelle Vimbe Lucrèce, je viens de Tampa. Je suis tellement fière parce que j'ai commencé la porte de vie il y a de cela 2 semaines. Et ça fait la deuxième fois, et le Père m'a touchée, et c'est les mêmes messages. Donc j'ai la confiance que je viendrai témoigner. Je vais dire de ne jamais décourager, ayez toujours la confiance en Dieu. J'ai reçu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de miracles également. Je suis venu aujourd'hui. Hier, j'ai capté la chaîne Porte de Vie et j'ai pris la décision de venir moi-même. Et tel que je suis venu, j'ai la certitude que j'ai déjà reçu ce que je veux. Comme il a fait à d'autres frères, j'ai vu, je sais qu'il va le faire pour moi également. Et je sais qu'avant de retourner chez moi, j'aurai ma part. J'invite massivement les frères et sœurs qui sont toujours à la maison de venir nous assister pendant ces 4 jours. Parce que j'ai la foi que je vais retrouver ma part avant de partir. Que tout le monde court pour venir. Tata Naomi ngosi bod kemba we troya nkwa be emi to gberanu ke bobo agban vo kremia jojo ko ta e tanyale ni be ame igbara dagban ke be doa agban la troyi ne nto ton ka mu kanaji bere e be agban troyi ne nya te peto. Comme je suis venu ce soir, j'ai constaté que le fardeau qui pèse sur moi a été ôté. Et le thème est propriétaire de charges maléfiques. Reprends ta charge. Et je sais que le propriétaire des charges maléfiques sur nos vies a repris leur charge. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore venus depuis hier jusqu'aujourd'hui. Demain, nous sommes encore là. Venez massivement.